Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Fallout 4, ou encore Fallout 4 pour la version française. Alors on se retrouve pour parler d'un nouveau glitch, un bug qui va vous permettre de dupliquer les ressources, plus précisément les cargaisons, alors toutes catégories bien sûr. Alors pour ma part, on va s'attaquer à l'acier et à l'adhésif. Pour ça, il faudra vider intégralement votre inventaire du bric-à-brac. Alors pour ça, vous avez la possibilité de passer en mode construction. Vous allez dans le mobilier. Ah là, du coup, je le bouge. J'aurais pas dû toucher à ça. Vous allez dans le mobilier, vous allez dans les rangements et vous allez pouvoir construire une boîte en métal ou même tout autre mal, caisse en bois, casier, ce que vous voulez, qui pourra stocker votre bric-à-brac. Et une fois que vous aurez tout stocké à l'intérieur de votre boîte en métal, on va pouvoir quitter ça et on va aller à l'atelier. Il faut également que votre atelier soit vide. Alors là, on voit que j'ai quelques ressources. Alors on va les récupérer et on va les poser dans la boîte en métal. D'ailleurs, je me demande ce que ça fait là parce que c'était pas à cet endroit il y a 2 secondes. Alors on va transférer tout ça. Alors là, du coup, j'ai rien. J'ai toujours rien. Bon, bah tant mieux. On retourne dans l'atelier, vous faites un transfert, et une fois que vous êtes sur cette image, vous allez directement cliquer. Alors pour ceux qui sont sur PS4, ce sera triangle et carré. Pour la Xbox, je ne connais pas les touches, donc je ne saurais pas vous dire, mais vous allez trouver, c'est celle du haut et celle de gauche. Et pour les PC, c'est la touche recharger et sauter. Après, je ne sais pas du tout si vous avez fait un réglage par rapport à vos touches, ce sera à vous de voir après en fonction de ce que vous avez fait comme réglage. Alors, on va cliquer pour ceux qui sont sur PS4 sur triangle et carré en même temps. Privilégiez la touche triangle un petit peu avant de cliquer sur la touche carré. Comme ça fait une récupération rapide. Comme ceci. Là, on voit que ça n'a pas marché parce que les ressources ne se sont pas affichées dans l'atelier avant de le quitter. Alors, on recommence. C'est pas plus mal que je me trompe. Comme ça, on voit que des fois, il faut réessayer à plusieurs reprises. Vous appuyez sur triangle et tout de suite après, à la demi-seconde près, vous appuyez sur carré. On va le faire plusieurs fois. Alors, tant que vous ne regardez pas dans votre Pip-Boy, vous pouvez faire la manipulation. Par contre, si vous allez voir si vous avez réussi à dupliquer, ça ne va plus marcher. Voilà. Je fais la duplication, je me concentre. Que ça fonctionne correctement. On voit que ça augmente. Je vais aller voir dans l'inventaire. Et on voit que j'ai 500 acier et 125 adhésifs, alors que j'avais une cargaison de 100 en acier et une cargaison de 25 d'adhésifs. Alors on voit que le bug fonctionne correctement, mais une fois qu'on est passé dans l'inventaire, comme je viens tout juste de vous le dire, vous pourrez plus recommencer la duplication avec une cargaison puisqu'elle aura disparu en ressources diverses. Alors il faudra retourner à Diamond City pour acheter soit une cargaison, soit si vous en avez d'autres, vous les utilisez directement. Voilà, donc on a vu un petit peu à quoi consistait ce bug. Alors pour moi, pour ma part, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu de savoir comment dupliquer ces ressources sur le patch 1.03, je précise. C'est le patch actuel. De toute façon, une fois que Bethesda mettra à jour cette version, je supprimerai bien évidemment la vidéo pour éviter qu'il y ait des malentendus au niveau des bugs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo.